comprenez bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Léna. Salut les gars. Et on est dans notre bain, en toute simplicité, toute décompression. Avec notre coca, notre champagne, notre thé. Pourquoi ça fait pas de chips, c'est en plastique? Elles sont en plastique. Attends, on a pas envoyé la carrière de Jay Hamstar là. Ouais, de ouf. Mais les viandes, nous, n'est pas problématique au moins. Non. Bref, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. On va répondre à vos questions. Je vous ai demandé de nous poser des questions sur Insta. Du coup, on va répondre. Je les connais pas du tout. Je me suis embarquée là-dedans. On est actuellement en voyage presse avec Jennifer. Ça, c'est pas chez nous. Enfin, j'aimerais bien. Le jour où je serai Kris Jenner, je t'inviterai dans ma baignoire comme ça. Ah, par contre, ça me dégoûte quand nos pieds se touchent. Donc, vu qu'on a décidé de prendre un petit bain, on a notre coca et on a nos petites bougies My Jolly Candle. Donc on en a deux, on en a une au pain d'épices et une au sapin de Noël. Ça sent trop trop bon pour les fêtes, c'est trop bien. Et c'est grave mon cadeau de Noël parce que dans la bougie, il y a un bijou, wesh. Oh my god, plot twist. Ce n'est pas qu'une bougie. C'est un bijou. There is a bijou. Et c'est un bijou Swarovski, comment on dit? Swarovski. 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 J'ai jamais su dire ce truc. Il y a deux qui disent Swarovski. Moi j'ai Swarovski. Donc chaque bougie c'est de la cire qui est 100% naturelle. C'est fait à la main. Et en plus c'est pas testé sur les animaux. Donc regardez, ça c'est les deux bougies. Elles viennent dans un petit packaging mignon. Donc ça c'est sapin d'hiver. Et ça c'est pain d'épices. Ça sent vraiment Noël dans notre baignoire. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que j'ai un sapin à côté de moi et qu'on mange des pains d'épices. Donc dans chaque bougie vous avez soit un bracelet, soit un collier, soit une bague, soit des boucles d'oreilles. Il n'y a pas que deux parfums, il y en a à peu près une vingtaine. Et ça sent trop bon et en plus ça dure hyper longtemps. Tellement longtemps qu'il faut attendre un petit peu avant de pouvoir ouvrir le bijou. Là elle est cachée dedans genre. Les bougies avec un bracelet et une boucle d'oreille elles coûtent 29,90€. Les bougies avec une bague et un collier elles coûtent 34,90€. Les collections permanentes vous en avez à peu près une vingtaine. Il y a 20 parfums donc vous pouvez forcément trouver ce que vous voulez. Et moi je trouve que c'est une grave une bonne idée pour offrir ça à vos proches. Parce que non seulement il y a une bougie et tout le monde aime les bougies. Et en plus dedans il y a un bijou, donc c'est deux cadeaux en un. Et tout le monde aime les bijoux. Oui. Tu vas arrêter avec l'eau là? J'ai si froid, Maria, c'est plus drôle. On a une télécommande, les boutons ils veulent rien dire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu te démerdes. Quelqu'un demande si on préfère le Coca-Cola ou le Refresha citron vert. Ça dépend quelle heure il est. Le matin, obligé au réveil, 6h du matin, Refresha. Mais, dépassé 9h du matin, Coca. Moi, Coca, dès le matin. McDo ou sushi? Super dur. McDo. Sushi. Je trouve que sushi t'as plus de choix. Quoi? Ouais. C'est parce que tu prends toujours la même chose au McDo? Ouais. Sushi! Alors, est-ce que vous fumez? Non. Mm-mm. Rien du tout. Ça pue. Pas de drogue, pas de cigarette, pas de moquette. Rien. Alors, qu'est-ce que tu dirais à la Léna ou à la Maya d'il y a 7 ans? Il y a 7 ans, je dirais, arrête de te lisser les cheveux tous les jours, caray. Tu vas tout niquer. Moi, il y a 7 ans, j'avais 10 ans. J'étais en 6ème. Wow. Ouais. Je suis en train de prendre un bac mineur. Oh, 7 ans, j'avais 10 ans, j'avais aucun problème dans ma vie. Donc, le seul truc que je me serais dit, c'est écoute en maths, sinon tu vas pas comprendre et apprends tes tables. Vraiment, apprends tes tables. Apprends tes tables, wesh. Voyez-vous encore vos potes du collège ou du lycée? Moi, les plus proches, ouais. Du collège, non. Du lycée, oui. De post-bac, mode de manie, non. Bah, moi, je suis encore au lycée, donc mes potes du lycée, je les vois tous les jours. Et mes potes du collège, j'en ai environ une dizaine que je vois tout le temps. Youtubeuse française que vous appréciez pas et pourquoi? Oh ti. Moi, il y a personne que j'apprécie pas forcément. Après, les gens que j'apprécie pas, je les... Quoi? Qui? Que je fasse une dentaire, genre. Elle est trop marrante, elle. Est-ce que vous êtes déjà embrouillé? Ouais, non, c'est jamais embrouillé. On s'est jamais embrouillé? Encore. Ouais. Pas encore. Pour l'instant. Comment ça, c'est jamais embrouillé? Non, c'est jamais embrouillé, ouais. Waouh! Attends, ça aime bien, ça veut dire. Par contre, je connais pas depuis très longtemps. Hein. C'est vrai, t'avais genre 2 heures pour se connaître. Pourquoi tu fais la meuf là? Mais c'est vrai. Comment ça rencontrait Maya? Je t'ai envoyé un message sur Insta parce qu'on était dans le même collège. Elle a slide dans mes DM. Parce qu'on était dans le même collège. T'aimes les mecs qui veulent pécho sur Instagram. Parce que t'étais dans le même collège. Oui, on était dans le même collège, Maya et moi. Et en fait, genre, il s'avère qu'on est voisines de 5 minutes de distance. Genre, moi j'ai quitté le collège quand elle est rentrée. T'imagines la différence d'âge? Quand elle a slide dans mes DM, je me dis oh waouh. J'étais en 6ème, je suis en seconde. Oh, je suis si vieille. Le sirop avant ou après l'eau? Avant. Le sirop, genre, ça me dégoûte la grenadine. Tu sais que je croyais que la grenadine c'était le nom du sirop. Quand j'ai dit une grenadine à la fraise, s'il vous plaît. Elle croyait que Carla Gerfeld c'était une fille qui s'appelait Carla Gerfeld. Moi je croyais que prendre son courage à deux mains, ça voulait dire demain.
Genre demain, pas aujourd'hui, demain. Tu prends ton courage ou tu le prends demain? Oui, demain, genre. On le fera demain. Et un défaut, une qualité de chacune. Maya, elle est tout sauf adorable. Quoi? Non, Maya, son défaut, je dirais qu'elle est pas tempérée. C'est soit elle aime, soit elle aime pas du tout. Du coup, des fois, c'est genre un peu fatigant parce que c'est genre des montagnes russes et genre. Des fois, elle peut dire ça, c'est trop bien. Et 30 secondes, je déteste. On se fait trop chier, on part. Après, fais des gros os pour que tu partes avec elle. Et en qualité, je dirais que t'es très drôle. Moi, t'as envie de rire. Ah, j'ai touché ton pied avec ma main. Moi, comme défaut, je dirais que t'es trop occupée. Et c'est insupportable. Et elle a des phrases, j'ai envie de la claquer. Je suis en off, je peux pas. Ah ouais, mais quand je suis en off, c'est que je peux justement. Et qualité, t'as des beaux vêtements. Non, qualité, je te déteste un peu. Hein? Je t'ai servi un autre coca. Ma qualité, je le dis tout de suite. Ta qualité? Et t'aimes le coca. Je vais vomir, Léna, je vais vomir. Je vais vomir. Regarde de ton côté. Léna, t'es encore en crush sur Thomas? Qui se rappelle? Qui se rappelle quand il y a vraiment une meuf qui a cru que t'étais en crush sur Thomas? En fait, j'y croyais, mais je me suis dit. Je vais rien dire parce que si je lui dis, genre si je m'énerve, je vais m'énerver de ouf. Donc c'est mieux. Parce que Thomas c'est tellement genre impensable qu'un jour on se pécho. Genre même moi quand je au début j'étais en mode MDR et après genre elle forçait. Donc, je dis ouais, j'allais se foutre ma gueule quoi. Mais non, du coup je ne suis pas du tout en crush avec Thomas. Et même si un jour ça se passe, j'ai tellement peur de ma gueule que je le dirais pas genre. Si tu devais tuer Léna avec l'objet à gauche de toi, ce serait quoi? Une fucking bougie maculée qu'elle donne. Je te brûle. Ice tea ou coca? C'est ma gueule. Pas nous deux quand même. Pas nous. On a oublié du coca dans le biberon. Vraiment. C'était quoi la dernière crise de jalousie? Vivre sans musique ou sans voyage? Sans musique. Sans musique. De ouf. Qui cala la musique quand il y a des voyages? De ouf. Mais il y a rien qui prend plus sens que voyager. Maintenant, on a un fucking shooting. On a pendant 15 minutes. J'ai les mains crispées. J'ai les mains. Voilà. Les mains qui agrippent. Là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre le site de MyJulieCandle en barre d'infos, la chaîne de Léna et son Insta. Et on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis sûre que tu as oublié. Non. Salut! Joyeux anniversaire! Merci! Non!